Ils ont des différences. Ça n'a pas d'importance. Ils sont plus forts quand ils sont ensemble. De vrais amis, Tib et Tatou. Tous les jours, ils vivent des aventures. C'est la vie de Tib et Tatou. De toi, Tib? Ouais. S'il y a quelqu'un capable d'en trouver, c'est bien lui. Tu vois? Oh, oh, Tatoum? Oh. Hey, Tatoum, je t'ai demandé de chercher des prunes, pas des lapins. Oh, c'est nul, on va jamais en trouver. C'est trop bizarre, c'est pas possible qu'on ait que ça. C'est la première fois que je ramasse aussi peu de prunes. Et toi, Cory? Hein? J'en ai que trois. Coucou. Hé, hey, Patouche, c'est notre premier. Va t'en trouver un autre, face de tâche. Si on n'en trouve plus nulle part. Vous dites n'importe quoi. Ah ouais, tu crois ça? On va aller le dire aux parents, on verra bien ce qu'ils en pensent. C'est quand même bizarre. Plus rien dans la disparition des prunes s'aggrave de jour en jour. Les réserves baissent, il devient urgent d'en trouver la cause. On sait très bien qui est responsable de ce problème. C'est le dinosaure. C'est pas vrai. Il est là depuis super longtemps et on a toujours eu des prunes. Ah ouais? Et ce serait qui alors? Les enfants nous ont dit qu'ils l'avaient vu dévorer toutes les prunes d'un arbre en quelques secondes. Plus il grandit, plus il mange. Mais ça, c'est il arrête pas de nous poser des problèmes. On va devoir s'en aller. Rien ne prouve que c'est lui. Ce dinosaure représente un danger pour notre clan. Nous ne pouvons pas accuser Tatoum sans avoir de preuves. Nous devons prendre le temps de découvrir ce qui se passe dans la forêt. Il y a forcément une explication. Oui, Aaron a raison. Si ça continue comme ça, on s'occupera du dino nous-mêmes. Il faut absolument qu'on trouve le vrai coupable avant que le clan ne chasse Tatoum. Oui, et il faut qu'on fasse vite. Il faut qu'on trouve un prunier qui a encore des fruits. Mais oui, comme ça on prendra le voleur la main dans le sac quand il ira chercher des prunes. Allons-y. Il n'y a plus aucun arbre qui a encore des prunes. Hé, oh. Hey, on en a trouvé un. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre, quand Tatoum mange des prunes, hein? Il avale le fruit en entier. Mais regarde, là il y a tous les noyaux et les queues. Donc c'est sûr que ça peut pas être lui. Alors Tatoum est sauvé. À mon avis, ce sera pas suffisant. Il faut qu'on sache qui est le véritable voleur. Ah, c'est pas vrai, c'est déjà l'heure de rentrer. Bonne nuit, Tatoum, à demain. Bon, on ira surveiller ce prunier cette nuit. T'es sûre que c'est par là? Oui, je crois, mais c'est tellement différent la nuit. Il est là! Tatoum! Oui, moi aussi je suis vraiment contente de te voir. Mais t'étais pas censée venir avec nous. Bon, d'accord, tu peux rester, mais tu touches pas aux prunes, hein? De moi ou quoi? Un quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sert à rien de rester ici. Le soleil va bientôt se lever. Le voleur ne viendra pas. On devrait rentrer.
Qu'est-ce que c'est? C'était quoi ce truc? Hé! Hey, on sait qui vole toutes les prunes. C'est un fantôme. Franchement, t'as rien trouvé de mieux pour sauver ton dino face de tâche. N'importe quoi. Mais c'est la vérité, on l'a vu. C'était horrible, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Viens, Tib, faut qu'on aille voir Aaron. On doit lui parler de ce qu'on a vu. Aaron, c'est pas Tatoum qui mange toutes les prunes. C'est un fantôme, c'est la vérité, je le jure. Il faut que je vous montre quelque chose, suivez-moi. Tu te rends compte, on a fait tout le tour de la vallée et on n'a pas trouvé de prunes. Ce que vous avez vu ressemble beaucoup à la légende du fantôme des prunes. Le fantôme des prunes? C'est un fantôme qui existe depuis la nuit des temps. Il peut disparaître pendant de longues années, mais il finit toujours par réapparaître. Il ne cesse de grandir chaque fois qu'il s'empare de prunes. Oh! Allant même jusqu'à cacher le soleil ou la lune. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un mystère de plus. Personne n'a pu découvrir ce qui relie cet arbre au fantôme des prunes. Mais une chose est sûre, si nous ne faisons rien, le clan n'aura pas d'autre choix que de quitter la vallée. Quoi? Retournez au village. Je vais rester ici. Je trouverai peut-être la réponse à ce mystère sur les murs de cette grotte. La réserve de prunes a été pillée! Quoi? C'est forcément Tatoum! Je l'ai vu rôder près de la réserve tout à l'heure. Non, c'était pas... Oui, c'est vrai. Moi aussi, je l'ai vu. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Bon, personne ne sait où est Aaron, mais on ne peut plus rester les bras croisés, il faut agir sans attendre. Il faut chasser immédiatement cet animal de notre vallée. Ouais. Je connais l'endroit où il se cache, je peux vous y emmener. Ça y est, tu peux dire au revoir à ton gros lézard, fan de tâche. Attendez, faites pas ça, c'est pas Tatoum le responsable, c'est le fantôme des prunes, c'est Aaron qui nous l'a dit. On n'a pas de temps à perdre avec ces enfantillages, en avant. Non. Va vite prévenir Aaron. Moi, il faut que je trouve Tatoum avant eux. Cory, viens, faut qu'on trouve Tatoum. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Non, je fais rien du tout. Un arbre qui chante? Tu caches quoi derrière ton dos? C'est des prunes pour mon ami. Il adore ça. Ton ami, c'est le fantôme des prunes? Surtout, faudra le dire à personne, hein. Je veux pas qu'on l'embête à cause des prunes. Je lui en donne juste un peu pour qu'il chante. J'arrive pas à y croire. C'est pour lui que t'as laissé Tatoum se faire accuser? Allez-y, il peut pas s'échapper. Tu sais, il est très gentil, hein. C'est pas sa faute s'il aime bien les prunes. Et si je promets que je prendrai plus rien dans la réserve du village, tu diras rien à personne? Philippe! Les chasseurs, ils ont trouvé Tatoum. Quoi? Oh non, c'est ma faute. Bon, je crois que j'ai une idée. Cory, pourquoi tu nous as pas parlé de ton ami? J'avais pas envie qu'on lui fasse du mal. Je suis désolée, Cory, mais à cause de lui, Tatoum est en danger. Ton ami peut pas rester là, tu comprends? Faut qu'on se dépêche. Prête, Tara? T'es coincé, le dinosaure. Hein? C'est quoi ça? Regardez! Oh, c'est fantôme!
Aaron, c'est bon, on a trouvé le fantôme. T'en fais pas, on l'emmène hors de la vallée. Bravo les enfants, vous avez sauvé le clan du fantôme des prunes. Mais alors, c'était pas un vrai fantôme, Aaron? Non, Nob. En fait, il s'agissait de simples criquets. Mais ils étaient tellement nombreux qu'ils formaient un épais nuage, capable d'obscurcir le ciel et de tout dévorer sur son passage. Et Tatum a été accusé à tort. Alors il n'est plus question de lui faire quitter la vallée. Être au régime jusqu'à la prochaine récolte. Et moi alors?